Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va essayer d'apprendre aujourd'hui le méga tube de Sinclair, Si c'est bon comme ça, paru sur l'album La Bonne Attitude. Une chanson qui l'a fait connaître réellement au grand public. Pas que sa musique était underground, mais c'est vraiment été un succès commercial colossal. Donc je vous propose, comme d'habitude, je commence à jouer un des premiers motifs et après on va décortiquer tout cela. Accrochez-vous, ça n'est pas très compliqué, mais rythmiquement, ça demande un minimum de mise en place. Le premier accord que je fais, généralement, c'est un accord que je fais en quinte, donc en utilisant que les deux premières toniques. C'est un accord de Do. Donc le Do, pour le faire, je mets mon index en 8e case en corde de Mi grave et un autre doigt, donc ce soit généralement c'est l'annulaire, en 10e case en corde de Ré. Nous avons donc deux fois la note Do. Donc là, nous avons l'accord en quinte. Et là, je vais faire un coup et je vais descendre en slide. Voilà. Ensuite, je vais me positionner en 5e case en corde de Ré. Et je vais faire un hammer vers la 7e case en corde de Ré. Pour terminer en 5e case en corde de Sol. Ça fait... Alors évidemment, les ghost notes sont très importantes. Donc on voit que je fais le hammer. Après, je relâche la pression sur les cordes et je fais à vide. Enfin, voilà, j'étouffe. Après, je vais en dessous. Donc ça fait... Je reviens à 7e case, un corde de Ré. Ça fait... Utilisez bien les notes étouffées, c'est hyper important. Ensuite, je viens faire un accord de Fa 7e. Donc le Fa 7e, je l'obtiens en mettant mon annulaire en 8e case, un corde de La. Mon majeur vient en 7e case en corde de Ré, mon auriculaire en 8e case en corde de Sol et mon index en 6e case en corde de Si. Très important d'étouffer les autres cordes pour pas qu'il y ait de dissonance, bien évidemment. Et non comme ça. Là, c'est dégueulasse. Donc, je répète. Je refais le motif et je viens du coup descendre d'un demi-ton pour arriver à un accord de mi-septième. Donc 7, 6, 7, 5. Et là, on peut jouer les cordes demi à vide étant donné que nous sommes dans un accord à mi. Donc au ralenti, ça fait... septième. Et ensuite, le même accord que le Do en quinte, mais du coup en Si bémol, en 6e case en corde de Mi et en 8e en corde de Ré, les deux. Parce que j'aime bien faire ça. C'est ce petit motif. Permet de simuler la basse au final. Ça fait un petit doublon. Donc au ralenti, ça fait. Donc ça, c'est vraiment pour l'intro et le refrain.
Donc ce qui nous donne la vitesse normale. Subtilité sera juste avant d'arriver au couplet. Je vous montre comment je fais. Voilà, on va enchaîner plusieurs fois la corde Fa septième. Ou bien on peut faire un neuvième. Personnellement, je trouve que ça sonne mieux un septième. Donc, je fais en mode lent. Et un normal, ça fait... Maintenant pour le couplet, je vous montre ça et après un décortique. Alors, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas réellement. Nous avons deux façons de le faire. Donc, le premier accord que l'on va faire, c'est le fameux accord hendrixien de Mi9 augmenté. Donc, votre majeur va venir en septième case en corde de La, l'index en sixième, le majeur, l'annulaire en septième case corde de Sol et l'auriculaire en huitième case en corde de Si. Ce qui nous fait cet accord-là. L'accord qui suit sera un Fa 9e. Donc pour faire le Fa 9, il va juste falloir laisser l'auriculaire à sa place et tout monter d'un demi-ton. Ce qui nous fait 8, 7, 8, 8. Donc ça fait... Donc voilà, on voit que ça, on laisse un suspens, on remonte et on arrête l'accord quoi. Donc ce qui nous fait à vitesse normale. Vitesse lente. La deuxième partie, alors on va faire un petit barré en cinquième case jusqu'à la corde de Ré, tu vois. Ensuite, on va venir poser l'annulaire en septième case, ce qui nous fait ça. Donc ça. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est répéter ensuite le motif. Ensuite, on va mettre le majeur en sixième case en corde de Ré tout en gardant le barré. Ensuite, juste le barré, donc 5, 5 et 5.
là, petite subtilité, on va mettre l'index en quatrième case en corde de ré. Et ensuite, on met deux doigts en cinquième case en corde de sol et de si. Je monte au ralenti. Ce qui fait qu'avec le motif, ça peut faire. Alors, ce que j'aime bien faire pour enchaîner, j'utilise la mi grave pour remonter du sol au la. Donc au final, le dernier accord que l'on retrouve, ce sera en ré 9. On n'est pas obligé d'utiliser la tonique de ré. Mais ça sonne aussi. Donc, je remontre le couplet. Alors, on peut très bien le faire comme dans le dernier couplet, où au lieu de faire en grattant comme ça, on peut faire des descentes. Hein. Donc voilà, donc on a vu qu'à la fin du couplet, j'aime bien voilà, balancer l'accord de ré 9. Avant de repartir sur « C'est bon comme ça, il ne faut pas que ça change. » Entièrement. Donc j'espère que vous avez bien compris cette descente qui n'est pas si compliquée et honnêtement qui est terrible. Ce renversement justement d'accord comme ça. Je propose qu'on fasse le morceau en entier, toutes les parties. 1, 2, 3, 4.
que vous avez bien compris ce tuto. Ce n'est pas une chanson très compliquée, mais la mise en place est nécessaire. C'est du funk. Et les allers-retours, là, les... faut vraiment y aller souple, quoi. C'est pas un morceau très rapide, mais c'est pas un morceau trop lent non plus. Et pour la petite info, c'est cette petite descente. On la retrouve également dans le morceau Old Love d'Eric Clapton. Le... de Clapton auront, moi de suite ça m'a fait tilt, ça m'a fait penser à ce morceau. Ce n'est pas du plagiat, c'est l'utilisation d'un motif que l'on trouve dans beaucoup de chansons de funk, de jazz, de bossa nova, tout ça. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez compris. Je vous souhaite bon courage pour apprendre ce morceau, ça n'est pas très compliqué, mais il va falloir bosser un minimum. Allez, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!